Alex Ramirez, bonjour. Je peux vous appeler Alexandre ? Oh, Alex, c'est bien. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors, on est là pour savoir un peu qui vous êtes. Pourquoi ? Je vous taquine. Ah ! C'est... Ok. Je sais que vous faites un spectacle. Ah, ça vous a plu ? Je l'ai pas vu. Il y a aussi des vidéos sur Internet. Ça vous a plu ? Les vidéos Lockout. Low cost. Oui, en fait, le truc, c'est qu'on reprend des scènes de films plan par plan, mais avec les moyens du bord. Donc, c'est une espèce de mélange entre détournement et hommage. Et ça peut être aussi bien sur des dessins animés que des génériques, ou des films, des séries, des pubs. Des machines à laver, des cakes au citron, mais sans graines de pavot. Parce que ça, tout le monde sait que c'est fait à base de crottes de nez de Spice Girls, que j'ai rencontré d'ailleurs. Ouais, pendant un championnat du monde de lancer de pain de mie. Mais bon, ça c'était après avoir couché avec un aigle, je passe les détails. Bref, c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais devenu une pomme de terre. D'accord. J'ai pas l'impression que ça vous passionne. Ah bon, vous savez, les pommes de terre. Quelle est la question qui vous agace ? Ah, je dirais, je sais pas, peut-être, quelle est votre princesse Disney préférée ? Moi, c'est Réponse. Ah, c'est marrant. Pour quelqu'un qui pose des questions. Réponse la princesse. Oui, non mais, oui, enfin, c'est au niveau de la sonorité, c'est... Du coup, quelle est votre princesse préférée ? Ah, non, mais justement, c'est peut-être un peu réducteur. Bah, je suis pas juste un type qui se déguise en princesse. Pardon, mais je pense qu'on peut élever le débat. Votre approche plastique trouve-t-elle un écho dans le mouvement des avant-gardes ? Je pense au ready-made, voire au futurisme. Ou considérez-vous davantage votre démarche comme un pied de nez à une fiscalité augmentante extra-diégétique ? J'aime bien Mulan. Parce qu'elle est chinoise ? Pas forcément. Vous avez quelque chose envers les Chinois ? Ah non, j'ai absolument rien envers les Chinois. Même pas de la sympathie ? Si, j'aime les Chinois, mais ce que j'aime chez Mulan, c'est que c'est une femme qui s'habille en homme. Vous aimez les femmes ? Bah évidemment. Pourtant, sur scène, vous parlez de votre homosexualité, alors c'est juste un personnage ? Non, c'est vraiment moi, mais... Vous avez envie de coucher avec Mulan quand elle est en homme ou en femme ? J'ai pas du tout envie de coucher avec Mulan. Parce que c'est une femme ? Parce qu'elle est chinoise ou parce qu'elle s'habille en homme ? Mais parce que c'est un dessin animé ! Vous considérez comme misogyne, folophone, nazi ? Non ! Je demandais juste. Vous avez bien fait. Écoutez, je sais pas ce que vous essayez de me faire dire, là, mais... Je veux juste savoir qui vous êtes. J'aimerais bien vous répondre un truc intelligent, pour pas trop avoir l'air d'un con, et en même temps drôle. Parce que mine de rien, c'est mon métier. Avec une phrase pas trop courte, sinon c'est chiant. Ni trop longue, sinon c'est chiant. Tout en étant spontané, spirituel, précis, décontracté, charmeur. Parce que je sens que quoi que je dise, vous allez mettre un miroir à la face recouvert de merde en me disant « Tu vois, ça c'est toi !» Bon, je crois que j'ai tout. Au revoir. C'est bien, on avance. Alors, cette addiction au sexe ?